à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Captain of Industry. On est reparti pour un troisième épisode sur le jeu, un troisième épisode de découverte. Alors, le troisième, pourquoi ? Parce qu'il y a eu un premier épisode de découverte, puis ensuite il y a eu un gros live de 2h, 2h30 sur le jeu. On va continuer avec un troisième épisode de découverte, et si jamais ça vous plaît, si jamais j'ai récolté suffisamment de pouces bleus et de vues ainsi que des commentaires qui me poussent à aller de l'avant, eh bien on transformera petit à petit cette découverte en un let's play. En tout cas pour l'instant on est parti sur un troisième épisode, on pourrait dire troisième épisode même si officiellement ce n'est que le deuxième puisqu'il y a eu le live entre les deux. Alors rappelez-vous, pendant le live, qu'est-ce qui s'était passé? On avait tout simplement établi la chaîne du fer de ce côté-là, on avait établi la chaîne du cuivre sur la gauche. On avait aussi sur la droite, la chaîne du béton, donc béton calcaire, calcaire béton, avec les scories. On avait donc bien sûr fait de l'agriculture avec de l'eau, des fermes irriguées. Maintenant, il faut voir comment on achemine l'eau parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on ne peut pas passer par-dessus les fermes. Donc, on va être obligé de faire le tour ou alors on va tout simplement mettre la pompe de l'autre côté. On a notre mine de charbon qui est ici, on a notre mine de fer qui est juste là. Si je vais un peu plus sur la droite, on a aussi notre mine de cuivre qui est juste ici et qui fonctionne très très bien pour l'instant. Donc, c'est pas mal. Ici, bien sûr, notre chaîne de production, donc fuel, enfin diesel, alors pétrole, diesel et caoutchouc, station service. Hein, donc voilà, on est un petit peu des pôles quand même de regroupement. Bon, ici, le pôle logement, bien entendu, avec l'installation d'eau qui permet de délivrer de l'eau aux habitants. Bon, alors, on avait lancé en dernière intention lors du live, on avait lancé la production, la construction de la capitainerie, et on avait aussi lancé la réparation du chantier naval. Tous deux prennent, lui prend 200 pièces de construction et lui prend 100 pièces de construction, nécessite en tout cas, et lui nécessite 200 pièces de construction niveau 2. Donc ouais, c'est assez balèze. Dans tous les cas, ça, je vais mettre en pause. Peut-être que ça, on peut le laisser éventuellement. Le fait étant que nous tombons à zéro en pièces de construction, mais nous tombons à zéro surtout en fer. Donc, ce dont par quoi j'avais envie de commencer, c'était tout simplement la construction de ce fameux... d'une fameuse seconde chaîne de production de fer. Et donc vous allez voir, pour ça il y a un outil fabuleux. Il y a un outil fabuleux qui s'appelle tout simplement le copier-coller. Tout simplement, on vient chercher ce que l'on veut copier. Donc on a une surbrillance en verre. Et tout simplement, il va venir nous construire. Voilà, c'est exactement la même config que la config que vous venez de copier. Tout simplement, donc ça il n'y a pas plus compliqué que ça. On vient cliquer et là tout simplement les camions vont aller bien sûr construire, chercher les ressources pour construire. Par contre j'avais remarqué que j'avais toujours pas fait de convoyeur ici. Et donc on va commencer par ça. Convoyeur en U qui nous permet directement d'amener le charbon et le fer directement dans le haut fourneau qui va ensuite déverser sur les fonderies. Au moins on aura deux chaînes de production du fer. Par contre, il faut aussi ici, du coup, que je refasse exactement la même config au niveau des convoyeurs. Voilà. Est-ce que là, il faut que je vienne sélectionner minerai de fer. Ici, charbon. Alors, charbon, ici, voilà. Ici, on vient chercher la recette. La recette, c'est minerai de fer, tout simplement. La fumée est bien construite. Par contre, on n'a pas les canaux en fusion. Les canaux en fusion, donc on va faire comme ça. Hop, voilà. On va faire pareil de l'autre côté en mode symétrique. C'est beaucoup plus sympa. Voilà. Et pour terminer... alors, comment j'avais construit là? Ok, j'avais fait quelque chose comme ça. On va tout simplement faire exactement la même chose avec les tapis roulants. Ah, je peux pas. Si je fais juste ça... Donc, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement comme ça. Et là, on vient rajouter le deuxième. Voilà, nickel. Donc là, au moins, on aura du fer. Hop, fer. Ici, normalement, on enlève le cuivre fondu. On laisse juste la recette du fer, parce que je précise, le cuivre.
il est effectué ici. D'ailleurs, pas de charbon de ce côté-là. On va laisser garder plein 18. Là, on va garder vide 126. Comme ça, ça va venir un petit peu quand même entreposer normalement juste là. On verra s'il n'y a pas suffisamment de charbon, on créera une deuxième mine de charbon. Il n'y a pas de problème. Bon, alors, on va mettre pause parce que pour l'instant, j'ai pas forcément besoin... Quoique, allez, on y va. On y va en vitesse x3 et on va bien voir comment ils réagissent. Parce que oui, il va nous falloir du fer. En termes de stockage, le fer, on en a suffisamment. Si on regarde ici, minerai de fer 343. Donc concrètement, bon, on a largement assez. Là, vous voyez, ils sont en train de vider le stock de charbon pour le remplir. Pour le remplir, je ne sais où. Peut-être de ce côté-là. Non, ça, c'est les scories en vrac. Si je vais voir ici, peut-être. Mais non, il n'y a pas de production de charbon de ce côté-là. Alors certes, il y a une production qui est nécessaire d'amener via le camion au distillateur. Distillateur. Distillerie, plutôt. Ouais, on va appeler ça comme ça. Ouais, mais j'ai pas tant de charbon que ça. Et si vous regardez 121, je comprends pas. Ils vont jeter le charbon? Non, c'est parce que j'aurais demandé quand même. Où est-ce que vont tout mon charbon comme ça? C'est une très très bonne question. On va mettre en pause. Hop, on met en pause ça. La construction aussi, c'est ça que je voulais mettre en pause. C'est pas forcément le bâtiment en lui-même, mais c'est plutôt la construction. Voilà. Et du coup, on va focus quand même sur la construction de du haut fourneau. Ah oui, 60 pièces de construction, c'est pas terrible. Alors, je monte pas très haut dans la vue. Alors, je sais pas pourquoi, parce que dès que je monte beaucoup trop haut, je peux vous montrer très très rapidement, mais bon, ça va dégrader un peu l'image. Je vous montre très rapidement, on a une paire de FPS. Je sais pas pourquoi. Petite paire de FPS, on a des légères saccades, donc je préfère pas monter super haut pour que ça soit quand même fluide pour vous. Pourtant, j'ai une bonne carte graphique, mais non, je comprends pas. Vous voyez là, on voit un petit peu la perte de graphique dès que je viens hop, agrandir la vue. Et on est qu'au début, hein, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de bâtiments. Et on est déjà... ouais, on a une perte de FPS au niveau de la carte graphique, là. Une perte de puissance, donc je comprends pas. Bon, on verra bien. En termes de cuivre, ça donne quoi? En termes de cuivre, on est à 189, donc c'est très bien. Je voudrais quand même voir, visualiser... Quoique, en fait, on est très très bien, si ce n'est juste le fer... Le fer, ouais, il n'y en a pas assez et du coup, ça ne suit pas suffisamment la chaîne de production qui est ici. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais venir mettre un tapis roulant qui va venir hop, se relier à l'avenue centrale où il y a toutes les assembleuses, vous voyez. Mais par contre, là, il me faut vraiment que je construise très rapidement beaucoup plus de pièces de construction. Où est ma fabrique assembleuse de pièces de construction? C'est ici, ouais, il y a forcément du bois, ça c'est ok. Le bois, on en a plein. C'est ces deux-là. Et vous voyez, bon, on est full, sauf en fer, bien entendu. Donc c'est pour ça que je construis cette deuxième, ce deuxième bâtiment. Il me semble que je n'ai pas d'autres constructions en cours. Donc pour l'instant, on attend. Ah oui, cette petite partie que j'avais oubliée, bien entendu, la mine de sable. Donc pour aller chercher le sable, ils viennent ici. Donc, ce que je vous ai... Rappelez-vous, ce que j'avais fait, c'est que j'avais dit... Ok, on jette les déchets ici. D'ailleurs, ils sont toujours en train de jeter ici. On jette les déchets ici. Ça nous crée une rampe pour accéder au banc de sable qui est juste sur la gauche. Au lieu d'aller tout au fond ici, vous voyez, jusque là-bas. Donc, je me dis, ouais, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal du tout. Donc, je suis plutôt satisfait. Allez, impossible de stocker tous les légumes après la récolte. Ah, donc là, en fait... C'est bizarre parce que j'ai mis pommes de terre en stockage. C'est quoi là? C'est des légumes peut-être? Ah, c'est des légumes. Donc on va peut-être mettre un deuxième stockage en vrac. Et qui va venir stocker... Ah, on peut pas stocker des légumes? Attendez. Est-ce que les légumes, ça serait pas dans l'unité de stockage éventuellement? Si je viens là... Ah ouais, c'est dans l'unité de stockage. Ok, d'accord. Alors ça, c'est pas important pour l'instant. Par contre, ce qui est important, c'est quand même de venir essayer
Va falloir qu'on vienne alimenter les fermes en eau. Celle-ci, il faudrait que je l'augmente éventuellement, sauf qu'on a... Oh, bah si on a l'électronique, bah allez, je fais une transformation rapide. Ça nécessite de l'unity, mais je vous rappelle, on en a quand même pas mal, et surtout on a 2,16 par mois, donc c'est plutôt très bien. Aucune désignation minière. Ah, pour le banc de sable, il n'y a plus de désignation minière, donc on va en refaire une. Hop, on supprime tout ça, et tout simplement, on va venir creuser, je pense. Juste comme ça, par exemple. Hop, voilà. Normalement... Ça devrait commencer à creuser. On va creuser en profondeur sur le banc de sable. On va bien voir jusqu'où va le sable. On verra bien. Ok, celle-ci est passée aussi en niveau 2. Et donc maintenant, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est qu'on essaye d'acheminer l'eau qui part finalement d'ici. Et vous voyez, ça nécessite quand même vachement de... Je suis bien embêté. Je suis très très embêté parce que finalement c'est de l'autre côté. Vous voyez, on a quand même des camions qui passent. On a, si on fait des trop gros tuyaux, ça nécessite quand même vachement de pièces de construction. Je suis dans le doute. C'est un peu compliqué. On peut le faire. On peut regarder. Si on clique sur pause, on peut très bien regarder combien ça nous coûte. Surtout qu'on est obligé de monter niveau 2. Parce que les véhicules sinon ne passent pas en dessous. Vous voyez, si je vais jusque là, on est à 60 en pièces de construction. Ouais, non, c'est pas la peine. Beaucoup trop. Juste pour de l'eau. Ou alors, effectivement, on pourrait effectuer une pompe à eau souterraine de ce côté-là. Ça ira bien plus rapidement, je crois. Allez, pompe à eau souterraine à partir d'ici. Et puis là, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement mettre des tuyaux qui va de là jusque là. Et puis un tuyau qui va de là jusque là. Oh non, c'était pas ça que je voulais faire. Non. Alors on supprime directement. Hop, on supprime de là jusque là. Et on refait donc tuyau jusque là. Voilà. Ici c'est pour les engrais, je le rappelle. On verra peut-être un peu plus tard au niveau de l'agriculture ce que ça vaut. Bon, alors, où en est ma deuxième chaîne de production du fer? Je vous rappelle quand même qu'on a débloqué vraiment pas mal de choses dans l'arbre de recherche. On a débloqué du coup la culture des légumes. Donc là, on a déjà une rotation des cultures entre légumes et pommes de terre. On a le bureau du capitaine qui est en cours de construction. Ah. Le pick-up ne peut pas atteindre la destination. Bon, on va aller voir ça après. Les recherches actuelles sont trop avancées pour le laboratoire, d'accord? Pas assez de maintenance. Ah, ça va falloir voir, par contre, c'est très très important. On a débloqué le logement 2. On a débloqué les déchets. Et je crois que les déchets nécessitent justement... Qu'est-ce qui nécessite la production d'énergie? Un laboratoire de recherche niveau 2. Donc, il faut absolument qu'on monte. Ouais, il faut absolument qu'on monte le laboratoire au niveau 2. Et donc, pour ça... On vient ici et la mise à jour nécessite 45 de pièces de construction au niveau 2, 15 d'électronique et 10, comment on peut appeler ça, des éléments de laboratoire. Je crois que ce sont des éléments de laboratoire. Sauf que les éléments de laboratoire, il faut faire une assembleuse, il me semble. Donc si on va dans... Ici, on va faire assembleuse manuelle. Quoi qu'on peut directement aller voir ici. Alors, équipement de laboratoire, partie mécanique plus électronique. Ah, ça m'arrange pas trop parce que... Les parties électroniques, on en utilise déjà pour la maintenance. Et j'ai l'impression qu'il y a... Il n'y a plus de pièces mécaniques. Aïe, 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 aïe. Ouais, parce qu'il n'y a pas assez de fer. Donc là, la maintenance est en train de descendre à fond. Ok. Bah oui, toi, t'es bête. Allez, retourne au bercail. Ok. Et le fer, c'est toujours très compliqué. Bon, on va peut-être en faire juste une déjà, priorité élevée, mais je comprends pas où vont mes matériaux de construction. C'est la grosse question ça. Bah oui, ils vont forcément ici. Matériaux de construction, ils sont entreposés, donc ici,
et ils vont soit en matériaux de construction basique, soit ils vont sur l'assembleuse qui nécessite les bâtiments, les pièces de construction 1 pour établir des pièces de construction au niveau 2. Bon, j'ai priorisé cette construction là pour éventuellement avoir quand même du fer qui continue à sortir, vous voyez, ici, et puis qui va venir s'incrémenter directement dans la chaîne d'assembleuse. On verra bien, on va bien voir ce que ça donne. En tout cas, là, pour l'instant, je suis en train d'attendre. Et en attendant, la maintenance qui continue de descendre parce qu'elle n'a plus de pièces mécaniques. Ah ah. Et pourtant, j'avais demandé de garder plein quand même. Hein. C'est la petite subtilité, là. J'avais quand même demandé de maintenir plein. Il nous en faut encore 8. Enfin, 7. 6, 5. Allez. S'il vous plaît, amenez-moi ça avant qu'on tombe à 0 en maintenance, que tous les camions retombent en panne. Ça serait malheureux d'utiliser de l'Unity. Ici, on n'a pas tellement d'eau. En fait, on n'a même plus d'eau. Bon, après, l'eau est déjà stockée. Donc, c'est très bien dans les bétonnières. Donc, ça me va. Parfait, pas de problème. On a les logements qu'on va pouvoir upgrader. Mais c'est pareil, c'est un beaucoup, beaucoup de pièces de construction au niveau 2. Ok, ça y est. Ça commence à ressortir. Donc là, ça nous produit du fer de manière supplémentaire. C'est quand même hyper long hein, de produire du fer. Et là, ça y est. Donc ici, dans l'unité de stockage, on va demander à garder plein quand même 18 au cas où. Quoique au début, on n'est pas obligé de... Par contre, ce qu'il me faut, c'est quand même les pièces mécaniques, quoi. Pièces mécaniques, c'est ici. J'en ai bien. Hein. Je sais pas trop comment au niveau des tuyaux ça s'organise parce qu'en fait ce qui se passe c'est que vous voyez on a débloqué pas mal de choses. Équilibreur, équilibreur en U, équilibreur de métaux en fusion, équilibreur de tuyaux. Permet de distribuer et de hiérarchiser les produits en utilisant l'un de ces deux ports d'entrée et de sortie. Bon, je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais en tout cas, vous voyez là, on peut pas dire ok tu vas focus le fer. Là-dessus, tu vas transporter le fer plus ici. On peut pas, en fait... on peut pas tellement focus la chose. Alors, on va dire de prioriser celle-ci. Je m'en fous de prioriser cette construction-là. Pour l'instant, les légumes, c'est pas trop grave. On est à... Ah on est à 11 mois de nourriture. Ah oui. Impossible de stocker tous les légumes après la récolte. Pourtant, là, je suis sur légumes... Calendrier des cultures. Écoutez, ce qu'on peut faire, c'est mettre tout simplement régénération naturelle. Ici, hop, et après, régénération naturelle. Comme ça, on va quand même essayer de régénérer l'engrais, hein, la fertilité des sols. Il n'y a pas assez, il n'y a pas suffisamment de pièces de construction pour faire une livraison rapide. J'aurais bien vu ça, moi. Mais non, c'est pas... Quoique d'ailleurs, ils sont peut-être tous en train de l'amener, je crois. Ouais, regardez. Il n'en manque plus qu'un, c'est celui-ci. Et allez, c'est parti. On va pouvoir produire du fer de manière supplémentaire. Par contre, la cheminée n'est pas construite, donc il n'y aura pas d'évacuation de gaz. Et là, du coup, ouais, voilà. Il faut vraiment très rapidement construire cette cheminée. Donc là, normalement, ils y vont. On a quand même 3 stockages en vrac qui sont full. Hein, donc là, la production de fer est quand même extrêmement ralentie. C'est pas cool, c'est vraiment pas cool. Ou alors il faut vraiment qu'on fasse 3 au fourneau et 6 fonderies, peut-être. Peut-être que c'est la solution. On va voir, on va bien voir. Du coup on est à 0 en maintenance, et ça par contre c'est un problème. C'est un gros problème. Pièce mécanique 5, ok, donc là ça va virer là-dedans, ensuite ça va virer là-dedans. Et ici ça va venir créer de la maintenance. Bon, au niveau des pièces électroniques, on est full. Donc ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Et là, on est en train de remonter quand même en termes de production de fer. Donc c'est plutôt cool, 8 par 8. Vous voyez, ça remonte bien quand même. Donc on va laisser plein 18. Et là, par contre, c'est là où ça ne va plus. Bon, ça y est. Entrée manquante. Bah non, entrée manquante. Alors pourquoi ce connecteur-là ne vient pas remplir cette assembleuse-là, je sais pas. Je sais pas du tout. Vous voyez le connecteur, là? Ah non, c'est que dans un sens, que dans ce sens-là. D'accord. Donc là, en fait, éventuellement, ce qu'on peut faire,
Ah ouais, d'accord, ok, je comprends. Alors, je vais détruire ça, du coup. Et je vais mettre un convoyeur dans l'autre sens. En déconstruction, bah oui, c'est bien. Allez, retrait rapide. Voilà, et au moins, on aura du fer des deux côtés qui vont arriver dedans. Normalement, ici, on va pouvoir enfin venir remplir notre assembleuse de pièces mécaniques. Et du coup, derrière, assurer la livraison du dépôt de maintenance. Ça y est, ça se remplit, vous voyez. Donc, c'est plutôt pas mal. Par contre, ferme perdue par manque d'eau. J'ai de l'eau à foison. Qu'est-ce que c'est que ça? Réservoir d'irrigation. Ok. Là aussi, il est à 100. Et là, voilà, il est à 100%. Donc je vois pas pourquoi on perd de la nourriture parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Bon, écoutez. Alors ça, on peut débloquer. Enfin, on peut activer du coup. Pour que tout ça, ça soit bien automatique. Bon là, en l'occurrence, on est full au niveau des stockages des entrées de marchandises. Ici, ça y est, on est bien remonté en fer. Là, ça y est, on est à 141, donc ça, c'est parfait. Ce qu'on pourrait faire éventuellement, automatiser celle-ci, mise à jour. Voilà. Peut-être automatiser l'une des deux. Les pièces de véhicule, pour l'instant, ça me va. On va mettre à jour celle-ci. Au niveau de l'électronique, on est bien, on est full, donc ça, c'est parfait. Et ouais, on va juste attendre. Quoique, je peux faire une livraison rapide, ça va être plus simple. Allez hop. c'est tellement agréable d'avoir la livraison rapide. C'est juste incroyable, c'est un truc de fou. Et là, on se maintient bien dans toutes les ressources, sauf patate quand même. 13 mois de nourriture, c'est pas terrible. C'est franchement pas terrible. Mais là, au moins, voilà, on passe à 20 secondes au lieu de 40. Donc ça, par contre, c'est vachement bien. On aura beaucoup plus de production. Ah. Mais oui, c'est vrai. Par contre, ça nécessite de l'électricité. Donc forcément, ça tombe en panne un peu plus souvent que prévu. Vous voyez, là, il n'y a pas assez d'électricité pour tous les bâtiments. Concrètement. Et là, donc là, on reconstruit des pièces de construction niveau 2. Et ici, bon, la maintenance, il faut juste le temps que ça remonte. Normalement, ça devrait remonter au bout d'un moment. Alors, qu'est-ce qui va pas au niveau du générateur? Utilisation. A besoin de carburant. Bon, très bien, le réservoir de carburant, il est de 20. Donc là, normalement, on a quand même une production de 360 d'électricité. Qui... 360. Je dis bien 360, qui normalement doit être constant. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi... Ah oui, en fait, on a trop de demandes, quoi. On a beaucoup trop de demandes. Éventuellement, ce que je vais faire, hop, faudrait qu'ils m'enlèvent l'arbre, là. Ouais, ils sont là-haut. Ils sont là-haut, ça va être compliqué. C'est pas grave. On va faire un troisième générateur de diesel. Hop, on va acheminer le tuyau, le diesel via les tuyaux. Alors, juste comme ça, pas besoin d'en faire plus. Voilà, très bien. Voilà, ici, il y a juste besoin d'une pièce de construction. Ouais. La maintenance qui est en chute libre. Aucune désignation pour vider. Alors, on va aller vider comme d'habitude. Ici, on va agrandir, pourquoi pas. Alors, éventuellement, ce qu'on pourrait faire... Je pense que ça va être un peu complexe. Alors, pour l'instant, on va quand même jeter là. On va quand même continuer à jeter là. Ouais, on va jeter comme ça. On va voir si ça fonctionne, je sais pas du tout. Ah non, c'était de la désignation minière, pardon, je me suis trompé. C'était pas le bon truc. Désignation de déchargement, ok. Voilà, tac, comme ça, hop, voilà. Très très bien, parfait. Est-ce que le générateur est construit? Il est en cours de construction, besoin de 20 d'électronique, donc normalement électronique, on en a. Je vais quand même épingler... La ressource électronique, ici, 187, donc ça va, il n'y a pas de problème. Aucune désignation pour exploiter dans la tour de la mine. Ah, on n'a plus de... Ouh, mais c'est qu'ils ont bien creusé la montagne quand même. Eh bien, écoutez, on va continuer à creuser cette montagne via cet outil-là. Hop, voilà, tac. On continue à creuser la montagne de fer, la mine de fer, on peut appeler ça comme ça.
Alors, où est-ce que je redescends? Je redescends ici, toujours besoin d'électricité pour l'électrolyse du cuivre, mais le cuivre, bon, ça va, on est à 59, donc ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment là, des pièces de... Ici, c'est ça qui manque, je vais le booster quand même un petit peu avec de l'Unity. Ça va remonter normalement, je dis bien normalement, la construction des pièces de maintenance. On est à 3%. Vous voyez, en fait, ça monte, ça redescend quasiment instantanément. Donc, est-ce que là, faut que j'attende parce que ça redescend instantanément? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de demandes de réparation. Mais est-ce que, au bout d'un moment, ça va quand même monter? Moi, c'est ma question. Parce que là, vous voyez, pour l'instant, bah, ça continue à descendre. C'est une très bonne question. Des parties mécaniques, on en a, j'ai l'impression, suffisamment. Partie mécanique, 24. Ouais, c'est pas tant que ça finalement. J'ai pas l'impression que ça décolle, hein. Ça décolle même pas du tout en fait, hein. Alors, est-ce que c'est le temps de te remettre quasiment à zéro toutes les barres de maintenance de tous les véhicules? C'est une très bonne question. Le besoin est de 2 par 60, 2 par seconde, 2 par minute en fait. Bon, machine cassée, donc ça on n'a pas forcément besoin. Ici on a notre ferme qui est irriguée. C'est pas mal. Donc là on est sur du vide qui permet de la régénération. Ah ok, ça y est, on est reparti sur de la pomme de terre. Le sol fertile est pas top à ce moment-là, mais c'est pas grave, probabilité de panne de 6%. Bon. Et la maintenance, c'est vraiment le cercle vicieux dans le jeu. La maintenance et le diesel. Il faut vraiment, vraiment faire très attention à la maintenance et au diesel, parce que sinon vous êtes mort, concrètement. Là, on s'en sort parce qu'on a un peu d'Unity, mais le but, c'est pas forcément d'utiliser l'Unity. Là, vous voyez, hop, les deux qui tombent en panne en même temps. Je vais quand même... Ah, c'est deux d'Unity. C'est pas top. La machine n'a plus d'arbres. Bah, écoutez, on va venir découper les arbres aux alentours. Voilà, comme ceci. Et normalement, ça devrait aller. Alors, on n'a plus de recherche sélectionnée. C'est normal parce que je m'arrête un petit peu parce que là, c'est là qu'on voit que c'est super complexe quand même. Finalement, vous vous rendez très très rapidement compte que il faut vraiment que ça suive derrière pour finalement essayer de continuer les recherches parce que là. Vous voyez, normalement, j'ai le diesel avancé à faire, le port de marchandises. Et tout ça, bah, je peux pas le faire. Je peux pas le faire parce que j'ai pas suffisamment de choses. Je pourrais même faire la fonte de l'acier, biocarburant et tout ça, je pourrais faire plein de choses. Mais, bon, écoutez, au pire, on peut quand même lancer la recherche, c'est pas un problème. Sauf que, voilà, j'ai pas de laboratoire disponible parce que il me faut des pièces de laboratoire. Sauf que les pièces de laboratoire, eh bien, je n'en ai pas. C'est ça le problème. Et les pièces de laboratoire, je pense qu'il va falloir créer une seconde, enfin même une énième assembleuse, qui se focus sur les équipements de laboratoire, partie mécanique plus électronique. Ça m'embête un peu parce que c'est exactement ce qu'on demande pour la maintenance, vous voyez. Donc ça, c'est pas cool, c'est franchement pas cool. En plus, la maintenance qui remonte pas, quoi, c'est ça le problème, ça remonte pas du tout. C'est complètement un micmac, hein, on est d'accord. Alors éventuellement, ce qu'on peut faire, je vais essayer de gérer ça. C'est complètement alambiqué. Alors, ce qu'on peut faire, on y va. On est à 265 de pièces de construction. Magnifique, magnifique. Incroyable. On va faire une assembleuse électrique. Jusque dans ce sens-là, par exemple, on va focus sur les équipements de laboratoire. Voilà. Et donc, ici, on va mettre une redistribution en tapis roulant qui part. Ne peut pas être assemblée en pente. T'es pas en pente. Voyons. Comme ça. Voilà. Et le restant, par contre, c'est les pièces mécaniques. Et les pièces mécaniques, c'est ici. Est-ce que si par exemple je pars, peut être assemblé en pente?
On peut faire quelque chose du genre. E pour monter, je le rappelle. Il veut bien passer ici, il veut bien, pas de problème. Ah, c'est pas top ce que j'ai fait. J'aurais peut-être pas dû mettre ça directement comme ça. Alors, je vais détruire, décidément. Alors, tapis roulant. Et voyez, le jeu il est super long parce que vous passez des heures et des heures finalement à essayer d'augmenter la capacité de production, hein, tout simplement. On va plutôt mettre les pièces, le tapis roulant sur l'entrée, l'input 3, et celui-ci sur l'input 1. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, tapis roulant, hop, on monte. 2-2. Il peut être assemblé en pente. Je sais bien, mais... Voilà, ça va. Parfait. Et tac, comme ceci. Très bien, c'est moche, c'est le bordel, mais c'est pas grave. Tout va bien pour l'instant. Plus de charbon, plus de charbon, alerte. Ça va être le gros problème. Et pourquoi il n'y a personne avec toi? Il faudrait un troisième. Ouais, on va mettre deux, on va en mettre cinq. Voilà, nickel. Ah ouais, s'il n'y a plus de charbon, ça va être compliqué là sinon. On va peut-être même en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 pour chacun. Est-ce que la zone de minage est suffisante? Pas si suffisante que ça. On va stabiliser. Hop, on va rentrer dans la montagne comme ça. Ah, il est en train de faire aussi ici. Ouais, c'est bien du charbon. D'accord. Très bien, parfait. Bon, là au moins on a un peu plus de... Impossible de stocker. Mais pourtant... Alors attendez, je suis en quoi? Je suis en légumes ou je suis en... Il va peut-être falloir faire une troisième ferme. Voilà, voilà, par exemple, ça a été... Alors, ce qu'on peut faire. Complexe, complexe. Tapis roulant. Ah non, c'est convoyeur. Ici, c'est quoi? Ah, c'est pommes de terre et... Ah, ok, il y a les deux. Il y a deux outputs pour les deux types. Et alors regardez, la maintenance remonte, on est à 50%, donc c'est une très bonne nouvelle. On va peut-être enlever le boost. On va voir si ça rechute. Normalement, ça devrait aller. Allez, on y va, on attend de livraison de matériaux niveau 2. Ah, il n'y a plus de matériaux niveau 2. Construction de matériaux niveau 2. Et je suis en train de regarder le temps qui passe extrêmement vite. J'ai à 33 minutes alors que j'ai l'impression d'avoir rien fait, strictement rien fait. Bon, écoutez. J'ai toujours pas débloqué les équipements de laboratoire qui nous permettent d'upgrader les laboratoires au niveau 2. Alors ce que je comprends pas, c'est qu'ils amènent pas l'électronique. Pourtant, on en a 117. C'est ça que je comprends pas. Alors, est-ce que, par exemple, on peut faire... Ah, il n'y a pas d'export par camion. On peut faire oui pour l'export par camion, comme ça, voilà. Hop. Ah non, c'était pas ça. C'est ici, plutôt. Voilà, export par camion, bah oui, pourtant, il y a bien de l'export par camion. C'est ça qui est assez bizarre, c'est qu'ils ne viennent pas les chercher pour les mettre ici. Vous voyez ? C'est assez étrange. Allez. Au moins que je vous montre quand même la... Ah bah décidément, besoin de... Pas assez de maintenance, donc en fait il faut vraiment que je booste hein, ce bâtiment là. Tant pis si on utilise de l'Unity mensuellement, mais au moins... Allez, je livre ça aussi. Ouais, en fait j'ai l'impression qu'ils... Ils arrivent pas à venir chercher les pièces d'électronique. Pourtant elles sont stockées ici. Import par camion, export par camion, oui, mais alors est-ce qu'ils ont accès? Je crois que c'est ça le problème, ils ont pas accès, ils ont plus accès. D'accord, bon bah c'est peut-être ça hein. C'est peut-être ça. Du coup, on a quand même des équipements de laboratoire, donc ça, c'est parfait. Les premiers 8 vont être produits tout de suite. Voilà. Et donc là, vous voyez, hop. Normalement, ça devrait être amené. Est-ce qu'on peut faire un export par camion? Bon, je suis en auto, donc normalement, ça devrait. Voilà, ça y est. On a les 10 équipements de laboratoire qui sont déposés. On va juste faire ça. Et tac. Comme ça, ça y est. On débloque la recherche suivante, enfin, le niveau de recherche suivant. Ça manque de personnel? Ah, ça manque grandement de personnel. Faut qu'on réactive le phare.
Voilà. On réactive le phare, très bien. Et normalement, on devrait avoir du monde d'ici 3-4 mois. Maintenant, ce qui est toujours en boost. Deux ouvriers requis. Oui, d'accord, ok, j'avais compris. Bon, ça a l'air de fonctionner. Mais ça m'a vidé. Ouais, d'accord, ça m'a vidé l'espace de stockage. C'est pas si terrible que ça. Finalement. Parce que du coup, on n'a plus d'unité de stockage. J'aimerais quand même principalement que ça aille vers le dépôt de maintenance. J'ai l'impression que ça va tellement plus vers la droite. Ouais, ça va plus vers la droite que vers la gauche, j'ai l'impression. À moins que ça soit la production de pièces qui... Pourtant, on est passé sur du 20 secondes, hein, je précise. Hein. Assembleuse électrique sur du 20 secondes. Et j'avais demandé à garder plein ici. Je comprends pas toujours le système. J'ai l'impression qu'il y a des systèmes que je comprends pas. Comment on peut focus, dire, ok, en fait, toi, tu rentres là, mais tu passes principalement par à la droite d'abord. Ça, c'est une bonne question, tiens. Très bonne question. Bon, après, ça suit quand même. Ouais, globalement, on va dire. J'ai pas beaucoup de pièces. Parce que peut-être qu'au bout d'un moment, on peut annuler. Hein. On peut très bien mettre pause au niveau de l'équipement de laboratoire. Niveau 2, mais est-ce que, du coup... Attendez, pourquoi j'en ai 0? Si je vais ici, équipement de laboratoire, c'est où? 16. Donc normalement, là, au bout d'un moment, le stock sera plein. Et donc, qui dit le stock sera plein? Le tapis roulant ici sera plein. Et donc, forcément, les pièces mécaniques vont plutôt aller sur le dépôt de maintenance. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Je suis pas sûr, mais il va falloir vraiment que ça soit plein ici. Bon. Ok. On va aller voir dans la recherche et on va débloquer les niveaux suivants. Ah! On a un dépôt de maintenance niveau 2. Donc ça, c'est intéressant. Tuyaux. Biocarburant. Ouais, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Si je vous parle de dépôt de marchandises et de diesel avancé, eh bien, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Parce que si je vais dans... Raffinage du pétrole brut, donc là je n'ai rien. C'était où? Bâtiment pour véhicules, non. Logement et services, non. On a bien les logements niveau 2, qui ont l'air d'être des maisons plutôt que des bidons, des containers aménagés, on va dire. Captainerie, stock... Bah alors c'est où le... C'est où le... Il y a un petit problème là. Pourtant, il me semblait avoir débloqué ça. Mais en fait, pas du tout. Ah si, technologie du navire cargo. Technologie de forage océanique. Technologie du navire cargo, c'est où ça? Technologie du navire cargo. Il faut peut-être que je répare le... Technologie de forage océanique. Est-ce que ça serait pas ici qu'on vienne chercher la technologie? Bon non, je pense pas. Ou alors c'est peut-être, il faut réparer le camion ici. Je sais pas du tout, c'est une très bonne question. D'ailleurs, on en a 333, donc on va réactiver tout ça. Hop, et ça aussi. Quoique là, c'est plus des pièces de construction niveau 2, donc je suis pas sûr de... Et là maintenant, ça va pas du tout, ça rechute. Écoutez, on va mettre pause. On va mettre pause pour les... pièces de laboratoire, j'ai pas l'impression qu'ils descendent, donc embarcadère près. Ah, intéressant. Bon, on n'a pas vu grand chose, si ce n'est qu'on a déverrouillé quand même les laboratoires de niveau 2 pour continuer la recherche. Ouais, on n'a pas fait grand chose en fait. En une demi-heure, vous faites pas grand chose. C'est vrai que ça peut être intéressant de faire des lives sur ce jeu là parce que des épisodes de 30 minutes, c'est vraiment pas grand chose. Et encore là, je suis plus à 40 minutes que 30 minutes, mais ouais, intéressant. Voir si on peut pas encore plus produire de lingots de fer. Là, on est à 197. Donc, je sais pas où ils sont stockés, mais en tout cas, ils sont ici. D'accord. Ils sont ici et ils alimentent
En fait que les... D'accord, que les pièces mécaniques. C'est ça qui va pas assez vite, finalement. Et si je fais ça, c'est 10 secondes. Ah, c'est 10 secondes, c'est intéressant par contre. En 10 secondes, on a de... en 10 secondes, du coup, on en a deux fois plus. Ouais, ça peut être intéressant de voir si on, on booste le truc, sauf que le boost, ça pique quand même. Bon, ça devrait repartir. Allez, on s'arrête là parce que sinon, on va encore continuer à faire d'autant plus de choses. Du coup, je voulais quand même vous montrer le... Le port naval de Diesel, mais le port naval de... Comment ils appellent ça, biocarburant ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je ne l'ai pas pour l'instant. En tout cas, je crois pas l'avoir vu ou alors je l'ai manqué. Les pots de véhicules. Ah, c'était peut-être là. Non, bah non, quête de déchargement. Statistiques. Non, bah non. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Mais j'ai l'impression que ça nécessite des technologies que je n'ai pas pour l'instant. Ah, il y a des besoins en équipement de laboratoire. Ah, wesh. Complexe. Ah, ça c'est complexe par contre. C'est-à-dire qu'on va peut-être être obligé de créer une deuxième chaîne de parties mécaniques dédiée juste à l'assembleuse électrique qui produit des équipements de laboratoire. Ouais, ça va être complexe. Bon, bah écoutez, on continuera sur cette logique-là si vous souhaitez, si vous appréciez. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si j'ai suffisamment, je le répète, de vues et de commentaires ainsi que de pouces. Peut-être 5 ou 10 pouces bleus, ça serait superbe. Je continuerai la découverte ou, moins, plus, ou tout du moins le let's play sur Captain of Industry. En attendant les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, hein, j'ai déjà dit. Mais en tout cas, je vous souhaite une très, très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.